Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Windows Bécousse pour la suite de cette horde indienne en vidéo. Mais avant de commencer, l'instant auto-promo. Et oui, et personnalisé en plus, puisque je vous regarde droit dans les yeux et j'ai une vieille webcam toute pourrie, c'est marrant. Mes mouvements sont saccadés. Mais c'est pas grave. Donc, c'est l'instant promo, l'instant pub. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous pouvez d'ores et déjà commencer à lire pas mal de chapitres de mes deux livres, Vinland par-delà les mers gelées et Le Tueur du 25. Je sais pas si je dois regarder la caméra ou l'écran, c'est perturbant. Peu importe, j'ai pas l'habitude. Et ils sont donc disponibles sur le site Neovel. Et l'autre fois, quand j'ai fait la pub sur la première vidéo des Hordes, il y a des gens qui m'ont dit: Ah bon, ils sont sortis, on peut les lire, tu as fini, je ne savais même pas. J'ai fait des vidéos dessus quand même, personne ne les regarde. Donc, l'instant auto-promo, allez sur Neovel pour lire les livres, les liens seront en bas dans la description. Et j'ai même mieux pour vous teaser. Donc, comme je disais en exclusivité, les versions papier. Oui, il a fallu que je les imprime pour pouvoir les faire tourner, entre autres, parce que c'est plus facile pour relire. Donc, ces versions papier que vous ne pourrez pas toucher, hein, je n'irai pas jusqu'à vous les envoyer parce que ça coûtera un peu cher. Hein. De toute façon, la version papier, c'est celle que vous achèterez le jour où ils seront enfin publiés. Mais voilà, c'est pour vous teaser. Elles existent. D'ailleurs, j'ai dû cacher mon adresse avec un petit papier pour éviter que vous m'envoyiez de l'anthrax, si jamais quelqu'un l'avait vu et voulait attenter à ma vie. Mais voilà. Voilà. La preuve que les deux livres existent, les deux livres sont finis, que je travaille déjà assidûment depuis plusieurs mois sur le troisième. Et donc, je sais pas, j'allais dire pour me soutenir, oui et non en fait, c'est pas vraiment un soutien, pour votre plaisir intime et personnel, vous pouvez, ah merde, je me décale, vous pouvez aller les lire sur le site de Neovel, dont les liens seront dans la description. Il y a déjà combien? Bah, je dirais qu'en fait, il y a pas loin d'un tiers de chacun des deux, avec une publication hebdomadaire pour le 18-25 est beaucoup plus lente pour Vinland parce que malheureusement il y a beaucoup moins de monde qui le lit donc j'y vais plus mollement et puis j'étais quand même arrivé à quasiment un tiers du livre donc l'idée je sais pas si c'est publié entièrement ou pas sur Neovel, j'espère que non. L'idée c'était avant tout de teaser le public, vous teaser, vous êtes le public, enfin, ou une partie. Mais voilà, ils existent, la preuve en image, hein. Je dois arrêter de secouer la caméra. Et donc, vous allez pouvoir poursuivre cette vidéo et me regarder vivre d'immenses aventures avec mes hordes. À tous les... Alors, comme vous voyez, le Bangladesh progresse, toujours, envers et contre tout, mais pas forcément dans les directions les plus avantageuses du monde. Hein. Donc, bon. Voilà quoi. Bon, voilà. Le Bangladesh s'étend là où il peut, mais, j'ai quand même dépassé le stade symbolique des 300 de dev. Tout ne peut que s'arranger. Il me reste encore des petites merdes à bouffer, mais là, il va falloir se concentrer sur les régions indiennes. Il va bien falloir qu'à un moment le Mangal accepte de me suivre dans une guerre risquée contre le Jaipur, enfin le bloc, on va appeler ça. Vous voyez, parce que là, ouais, ça c'est problématique. Gujarat, Jaipur, Bamani, il y a un réseau d'alliances qui fait que c'est l'enfer pour attaquer le Jaipur, pour attaquer le Gujarat. Le Bamani serait plus prenable, mais bon, enfin, quand même allié au plus gros. Mais bon, lui, je touche pas. Donc voilà, les deux gros. Et le Sirhind aussi, que j'attaquerais bien, mais allié au Jaipur, chaud. Et puis, il a beaucoup de troupes à lui tout seul, 37 000 hommes. Ouais, non, ils ont des troupes hallucinantes en nombre. Donc c'est compliqué, mais voilà, les choses vont changer. Nous sommes en 1581, je le dis. Là, d'ici quelques décennies, j'aurai progressé en Inde. C'est sûr. Il le faut. Bon, en attendant, j'ai pas des revenus faramineux. Je suis assez mal placé au niveau des routes de commerce. Et j'ai pas un dev fou en fait, par rapport au nombre de provinces. Heureusement que j'ai une petite province riche. Là où j'ai fait popper les institutions. 39. Ah, j'ai 120 de dev au moins dans cette zone. Putain, c'est un tiers de mon. Ça doit être un tiers de mon dev et la moitié de mon revenu. Et il y a aussi un autre souci. Je crois qu'on voit là. Ouais, je commence à avoir pas mal de cultures sur mes terres. Je pense que je vais accepter les Népalais. D'autant plus que je vais encore grossir sur du Népalais. Mais je pense que j'ai accepté. Là, je commence à avoir pas mal de cultures différentes. Pas mal de religions aussi, même si la religion, peu à peu, j'arrive à convertir. De ce côté-là, ça va. Mais tout ça participe à faire que déjà qu'une horde, ça a pas beaucoup de bonus pour gagner de l'argent. J'ai en plus pas mal de malus.
Bon, bah, faut faire avec. En tout cas, je suis quand même parti, je le rappelle, du jonglet, d'ailleurs, qui est monté à 13 devs, qui faisait, alors je sais plus s'il faisait 4 ou 5 de devs au départ. Il est monté à 13, notamment avec qu'on appelle ça, la déportation économique, je sais plus. Donc, ça, vous voyez, c'est ce bouton-là, concentrer le développement. Je fais un peu de concentrer le développement, sans compter que j'ai pi en tant que horde. Et donc, il est un peu monté. Alors, à ceux qui me diraient. Oui, mais voilà, t'es pauvre parce que tu dévastes tout en tant que horde, t'arrêtes pas c'est où là? Voilà, de dévaster les provinces et en plus de faire du. Ah bah tiens, je peux le faire là-bas, je vais le faire aussi. Tiens, touc. Pouf! T'arrêtes pas de concentrer le dev et de tout dévaster, oui. Mais je suis une horde. Et donc, je joue telle une horde. Et puis ça me fait des points. Ça fait qu'en tech, je suis pas trop mal. Même si, alors, ces putains d'Indiens, ils sont chiants, hein, ils me collent. 14, 14, je suis 13. Voilà, putain, mais on se tient tous quoi en termes de technologie, j'arrive pas à les semer. Alors que c'est moi qui me fais chier à faire popper les institutions à chaque fois. Mais après c'est parce qu'ils bon, ils ont plus de revenus, donc ils sont full conseillers, moi j'ai quoi. Je vais peut-être me prendre un conseiller militaire. Là, normalement j'en ai un, je tourne à deux conseillers. J'ose pas monter à 3 parce que sinon j'arrive plus à dégager de revenus. Et je peux plus faire de bâtiments, j'essaye quand même de faire, même si au compte-goutte, des petits bâtiments aussi. Alors il me faudrait des manufactures à ce stade-là. Là, j'ai fait tout un tas de. Comment ça? Mince. De trucs d'impôts, de temples et d'ateliers à 0,10, on va dire. Là, je vais finir par passer en dessous de 0,10. Sinon, je voulais en parler, mais en fait, ça fait un petit moment que le Ming a explosé en divers états. Et le plus gros dans le lot, ça a l'air d'être parti pour être le Shun, qui a en plus 50 000 hommes. Et c'est un peu chiant parce que. Il commence à s'étendre. Ah, il a mis le Chagatai en tribu. Alors, je voulais continuer à grossir le Chagatai. Bon après il se bat régulièrement avec les autres chinois donc j'aurai peut-être une occasion de l'attaquer lui ou de finir le Chagatai pendant qu'il se bat de l'autre côté. Mais voilà, plusieurs gros états qui sont apparus. Bon, bah, ça fait une menace. D'un côté ça fait un emmerdeur en moins. D'un autre côté ces tribus-là, enfin ces tribus-là, ces royaumes-là risquent de chercher à s'étendre et de me gêner plus tard. Mais bon, idéalement hein, je vais aussi m'étendre sur le Shun et partir à la Chine. Hein. L'objectif hein, c'est de conquérir tout ça. Toute la Chine et l'Inde, et de faire une horde qui aura des milliers de devs, et ça arrive bientôt, là, la percée vers le sud est proche, je le sens. Et ellipse temporelle. Et nous sommes de retour, et c'est le 10 juillet 1600, et mon pronostic que j'avais fait bah pour vous il y a quelques minutes à peine dans la vidéo, mon pronostic de la grande percée au sud, bon, comme vous voyez, c'est pas tout à fait réalisé, hein, puisque mon expansion s'est faite sur le Cachemire, ce qui est quand même l'avantage de m'avoir libéré l'accès par là. Là, donc je peux passer à gauche de l'Himalaya et pas forcément à droite, ce qui est bien pratique parce que là, ça commence à devenir chiant. Hein, mon territoire est trop étendu, mes armées mettent beaucoup de temps à circuler d'un côté à l'autre pour battre, comme vous voyez, mes nombreux rebelles qui me popent dans le dos. J'ai pu gratter un bout comme ça, du Chagatai. En profitant des conflits qu'il y a entre le Hirat et les Chinois. Le Hirat, Chinois, Mandchou, là tout le monde s'allie et s'entretue. Et j'ai pu aller bouffer un bout du Shun, pareil, quand il se faisait attaquer. Pas du Shun, qu'est-ce que je raconte? C'est quoi là? C'était le Kham. Pendant qu'il se... Je crois que c'est le Kham, pendant qu'il se faisait attaquer par le Shun. J'ai pu gratter deux provinces que j'ai pas pillées parce que j'ai accepté les cultures tibétaines. Donc elles ont échappé à la dévastation. Bon après, elles font 5 et 5. Hein. Voilà. Et j'ai pu finir aussi les deux petites merdes qui se trouvaient ici, tout en conservant mon alliance avec le Bengale et l'Afghanistan. Et bon, bah, voilà, je grappille à gauche à droite. J'arrive à maintenir une bonne unité de la Horde, puisque j'ai. Je sais pas si j'avais déjà montré. Donc j'ai la réforme là, 1 plus 2 d'unité de la Horde annuelle, ce qui fait qu'elle descend très très lentement. Combien? Elle descend de 0,80 ouais, par province soumise. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce modificateur. Bon, tu as peut-être que ça descend que de 0,80 par an, donc ça descend très très lentement en temps de paix. Donc ça va avec les petites guéguerres sur les petits pays pourris que je fais. J'arrive à la maintenir assez haute. Mais ça devient frustrant là. La horde ronge son frein et aimerait grossir enfin sur du vrai territoire. Donc là, bah, toujours dans cette optique de partir vers les riches terres du sud, je vais aller attaquer l'Oïrat. Pas grand choix. Bon, je continue. Ah oui, tiens, je continue à convertir aussi. On est au niveau de la religion. Oui, si, pouf. Tout le Tibet converti, le Cachemire, bon voilà. Et là, je commence à monter vers le nord. Alors, le problème, c'est que là, on est sur des cultures non acceptées, donc c'est compliqué de virer les sunnites et de mettre ma religion à la place, vu que c'est des cultures pas acceptées. Bon, voilà.
En 20 ans, il n'y a pas eu de grand-chose de transcendant, même si bon, j'ai grappillé pas mal de provinces à gauche à droite, mais on reste sur du territoire assez marginal, quoi. Donc les objectifs, ça à terme, là, il faut vraiment que j'aille péter le Sirin. Mais il faut que je trouve un angle d'attaque. Alors si j'attaque directement, je peux appeler le Bengale, mais voilà. Ce sera une guerre très chaude et où je me reposerai quand même beaucoup sur la force du Bengale, une IA qui peut faire n'importe quoi, et ça me plaît moyen. Faudrait que je trouve un allié qui. Faudrait que j'attaque le Baloutch en fait. Et si j'attaque le Baloutch, voilà, mes alliés me suivent pas. Chacun moment je pouvais faire venir l'Afghan, mais bah, l'Afghan il a une armée de merde, il galère. Ah bah en plus il est parti dans les spas avec le Choun. Par réseau d'alliance. Mais bon voilà, l'Afghan il a 12-13 000 hommes. Pour affronter tout ça, c'est un peu léger quoi. Donc faut que j'arrive à augmenter mon nombre de cavaliers tout simplement. Hein, parce que mes cavaliers commencent à être forts, très forts, après tout, c'est de la horde. Je suis à plus 50% d'unité de la cave. Et j'ai un peu d'artillerie aussi dans mes armées. Hein. Mais bon voilà, faut que j'augmente encore un peu en taille pour être plus autonome, moins dépendre des IA. Le Bengal a une énorme armée, mais voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Quand je vois parfois comment les IA peuvent être débiles quand elles se battent entre elles, alors lancer une guerre où je compte sur le Bengal pour neutraliser le jeu pour. Risqué, bon, il va falloir prendre du risque là si on veut poursuivre l'expansion de la Horde. Après tout, on est déjà en 1600 quand même. Ouais, je pense que une meilleure solution serait ça, attaquer le Balouchistan. Pour partir en guerre contre le Sirin sans avoir le jeu pour. Parce que Sirin plus jeu pour, c'est pas. En l'état, c'est pas possible. Le Sirin plus des petites merdes, ça doit être gérable. Sachant qu'il est pas mauvais en plus en tech, hein, ce chien galeux. 16, 16, 16. 15, 15, 16. Putain, on est kiff-kiff, quoi. Ah bah tiens. Pouf, révolté. Après, on attaque. On attaque l'Oirat, donc ouais, là la situation est compliquée. Tandax, enfin, Tandax, je ne risque plus de mourir et de voir la partie comme un échec. Après tout, hein. Je suis parti d'un pays monoprovince tout pourri, vassal. J'en suis quand même arrivé là, mais mon immense objectif, mon bel objectif de dévastation, une dévastation totale de l'Inde, est encore loin d'être atteint. Bon, ce sera sans doute pour la prochaine vidéo. La situation va bien se décanter un moment ou un autre. À bientôt.